au camp de Gurs entre 1939 et 1944, ici même, dans l'une de ces baraques. Une baraque semblable à celle-ci. Des femmes et des hommes, internés dans des conditions inhumaines, ont eu le choix entre sombrer dans le désespoir et la folie ou se tourner vers l'art, en gardant les yeux et le cœur rivés vers la beauté d'un monde meilleur. Des hommes et des femmes de tout âge, des vieillards, des jeunes ou même des enfants, étaient assis là, à même le sol. Parfois dans le froid, la puanteur, l'humidité, pour oublier un instant la misère et la faim, la fatigue et la maladie, la peur et la mort, et vivre un moment de bonheur porté par la musique. C'est la culture qui, en leur redonnant une dignité, leur a permis de soulager leurs souffrances et de rester vivants. Hannah Schramm, dans son livre « Vivre à Gurs », exprime comment l'art est devenu un acte de résistance et un ultime refuge. Voici ce qu'elle écrit. Les ténèbres, le froid et la faim faisaient surgir de tous côtés comme une protestation puissante l'activité artistique. L'être humain souffrant tendait ses forces à l'extrême pour affirmer son existence. Nous voulons rendre hommage à tous ces artistes qui, pour certains, étaient destinés à un brillant avenir sur les plus grandes scènes du monde. Nous effectuons un travail de mémoire. Nous faisons revivre leur passion, leur amour de la musique et leur histoire personnelle. C'est là le mystère de la création artistique. À travers cette musique, composée ou jouée dans le camp, c'est l'histoire de tous les internés d'un camp trop longtemps oublié, qui vit à nouveau. Parmi ces artistes internés à Gurs, il y avait Carla Löwenthal, dont le nom d'artiste était Vali Karvenan. Pianiste, comédienne, poétesse et compositrice, née à Berlin en 1914, elle fut internée à Gurs avec sa sœur et sa mère. Elle y composa en 1941 un concertino pour piano et orchestre, qui heureusement n'a pas été détruit. Il est conservé au Centre de musique concentrationnaire en Italie et sera prochainement édité. Elle y écrivit également un très beau poème, dont voici un court extrait. Nous l'avons trouvé, le ciel bleu. Le soleil nous brûle. Le lavoir est bondé. Les sacs de paille supportent le poids de nos corps et de nos soucis. Nous allons mieux. Merci. Mieux qu'hier, mieux aussi que demain. Les montagnes au loin que nous admirons aujourd'hui seront pour nous demain le désespoir, le lointain défendu, la liberté que nous n'avons plus. Nous ne verrons en les regardant que des fils de fer barbelés qui piqueront nos yeux, qui pique nos larmes. Pour présenter la symbolique du Kaddish, la prière des morts, chantée ici lors des soirées musicales, dans les circonstances qu'étaient celles de Gurs en 1942, lorsque la population juive vivait nuit et jour dans la peur de la déportation, les mots manquent et seule la musique peut s'élever au-delà du silence. Nous citerons simplement quelques phrases d'Elie Wiesel.
oublier les morts serait les tuer une deuxième fois. Et dans son ouvrage « La nuit », quelqu'un se mit à réciter le Kaddish, la prière des morts. Je ne sais pas s'il était déjà arrivé dans la longue histoire du peuple juif que les hommes récitent la prière des morts pour eux-mêmes.